Salut à tous, c'est Kedi Mendy et comme d'habitude, la majorité de mes vidéos bien sûr, c'est sur Elder Scrolls 5 Skyrim. Et là, je vais vous proposer une vidéo comment intégrer la fameuse guilde des voleurs. Comme j'ai vu que l'autre vidéo comment intégrer la guilde des assassins que j'ai sur ma chaîne a pas mal marché, donc je vais vous faire une vidéo également tuto, on va dire, comment intégrer la guilde des voleurs. Alors, tout d'abord, il faut vous rendre à Faez. Jamais, c'est tout en bas de la carte à droite. Tout en bas à droite de la carte, juste là, Faez. Faez, voilà. Ensuite, il faut vous rendre au marché. Au marché qui est juste là au centre de la ville, là. Vous allez là, tac tac. Là, c'est normalement par où vous arrivez. Et là, c'est juste en centre là. Et puis, il faut aller bien sûr la journée, parce que sinon le soir, il n'y a personne. Et il faut trouver. Et il faut trouver un certain Björnjof. Ah, j'ai du mal à dire ça, non pas. Björnjof. Voilà, c'est écrit à l'écran, vous pouvez voir. Björnjof. Il faut le trouver ici dans le marché. Vous parlez avec lui. Et il va vous proposer une première mission pour entrer dans la guilde des voleurs. Il faudra que vous l'acceptez. Mais c'est une mission vachement dure. Et moi, je vais louper. Donc, il m'a proposé une deuxième chance, et voilà où j'en suis. Parce que, en fait, la première mission, vous devez voler un anneau devant tout le monde, et c'est vachement difficile. J'ai essayé plusieurs fois, et j'ai foiré. Donc, je vais vous le sauter cette étape de la vidéo, et arriver directement à la deuxième mission. Donc, il m'a demandé de trouver la c'est quoi déjà? La sourcilière. Il m'a demandé de trouver la sorcière et si j'arrivais à passer tous les obstacles, j'entrais dans la guilde des voleurs. Il m'a donné une sorte de deuxième chance. Et cette sorcière, elle est juste au-dessus de ce marché-là. Alors, vous allez par là. Tac, 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 tac. Bon, là, j'ai vu une troisième personne, mais j'aime pas du tout ça. C'était juste pour vous montrer mon personnage un peu. Voilà, vous allez là-dessus. Tac, tac. En fait, quand vous aurez loupé la première mission, vous allez nouveau parler à Björnjof. Il va vous proposer de trouver... de passer par la sourcière qui est juste là, l'entrée. La souricière, voilà, la souricière. Voilà. Et là, on trouve la entrée de la souricière. Et je vais vous faire en live le tuto. Parce que c'est également la première fois que j'entre là-dedans. Alors, voilà, voilà. On y va. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme défi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y aura comme défi? Je ne sais pas. Qui est là? Ici. Ah, déjà un ennemi. Il va pas durer longtemps celui-là. Ah là 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 là. Ah, tu es son costaud, hein. Tu es son costaud, quoi. Il semble pas mal costaud. Bon, on va le faire dans les poches. Poche d'un cadavre, c'est pas tellement du vol, quoi. Mais bon, on va le faire poche quand même. Parce que moi, j'aime bien faire du marché, de vendre des trucs. En plus, ça a beaucoup de valeur. Oh merde, j'ai pris tout qui avait moins de valeur. C'est pas grave. Bon, on va tuer son complice. Et bah merde, je suis bien mort. Bon, ça c'était pas au programme de la vidéo, mais bon, on va faire avec. J'espère que je vais commencer là où je suis entré dans cette souricière. Puis voilà. Bah, je profite de ce moment de pause où je suis mort pour vous remercier à vous tous qui suivent mes vidéos régulièrement ou de temps en temps. Et allez chaque jour voir mes nouvelles vidéos. Pas chaque jour, je poste une nouvelle vidéo. Donc, allez-y, regardez toutes les vidéos de ma chaîne. Parce que je suis sûr qu'il y en a une que vous n'avez pas vue. On va recommencer cette mission. On va essayer de pas crever cette fois. Ah, j'avais oublié. J'ai mon pouvoir là. Ah merde, il faut que je mette mon pouvoir de cri là. Ça. Voilà. Oh, de nouveau mort. Je suis vraiment zéro, quoi. Bon. Oh là 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 là. Ça va pas. Mais ils sont costauds, ces types, quoi. C'est vraiment pas facile, quoi, pour intégrer la guilde des voleurs. Il faut être costaud, quoi. Bon, je suis qu'au niveau 8 aussi, là. En fait, j'ai pas tellement de temps de jouer parce que je fais des vidéos en même temps. Je fais le montage, je fais ça. Ça me prend beaucoup de temps. Bon.
Ouais, c'est pas mourir cette fois, on va mettre directement le pouvoir comme ça. Déferlement, voilà. Voilà. Je ne sais pas. Hein? Je disais qu'on serait vite si je savais ce que nous faisons. Bon, je vais prendre une potion parce que là je vais bientôt crever de nouveau. Donc cette fois, on va essayer de pas crever de nouveau. Donc, potion de magie, potion de santé, voilà. Ah merde, ça marche pas très bien ça. Voilà, voilà. Voilà, j'ai réussi à le tuer. Enfin, nouveau en fait. L'autre, c'est l'autre que j'ai jamais à tuer. L'autre balle là-bas. T'es où? On va faire attaque à distance, feu contre flèche. Qui va gagner? Pour l'instant c'est le flèche qui gagne, donc nouveau une potion. Voilà. Et voilà. T'es mort enfin. C'est pas facile, c'est pas facile. Arcoque. Ah voilà pourquoi le gars ce arc de malade qu'il avait le type quoi. Et les flèches aussi. Normal qu'il arrive à me buter facilement quoi. Tout type. Oh comment il est. Oh comment il est tendu. Bon derrière quoi. Bon, on va avancer dans cette vidéo quand même. Non, j'ai déjà tombé. Bon, on va quand même utiliser notre pouvoir pour se soigner. Voilà. Voilà. Là, on va faire. On va aller prudemment parce que. On va essayer de tuer quelqu'un par derrière quand même. Allez, alors, je vais aller par où? J'entends déjà des coups d'épée, mais bon, ça vient. Je sais pas du tout ça vient, donc il faut aller par là. Bon, ça me semble un petit piège hein, quand même. Un petit, même un gros piège. Et voilà! Ça c'est beau ça. Bon, c'est une femme, c'est facile. Donc, y a rien à me la péter. Épée d'acier. Ça vaut pas mal. Ah, mais je suis trop lourd. Oh, à chaque fois, je suis trop lourd. Normal, je prends toujours des conneries, des livres, des machins. Regardez-moi ça, des trucs, ça vaut rien du tout. Mais je prends toujours ces merdes. Ah, livre d'enfant de garde. Non, ça, il faut garder. Et c'est comme les armures. Je prends toujours des armures de merde. Voilà, là, voilà, voilà, voilà. Voilà une arme qui sert vraiment à rien. À rien du tout. Encore une autre qui sert à rien. C'est pour ça que je suis tellement lourd, quoi. J'ai de la merde. J'ai que de la merde. On va dire. Voilà. J'ai une hache. J'ai une masse d'acier. Ah, oh, ça vaut pas mal. De la hache. Voilà, les UP, ça vaut rien. Et moi, je garde cette merde. Voilà. Puis voilà. On va avancer quand même. Tac, tac, tac. Alors, allons-y, cher monsieur. Oh, il y a quoi là? Il y a des. J'espère qu'on est bientôt arrivé à la fin parce que là, tu dégâts, ça va prendre un petit moment. Alors, où êtes-vous, cher monsieur? C'est qui les prochains qui viennent? Là, on peut pas entrer. Là, il y a rien à voler d'intéressant. Oh. Moi je veux du bistron, je veux de l'argent, de la thune. Ah, une pièce, bon, c'est pas terrible, pas grand chose quoi. Bref. Bon, on va continuer ce tuto quand même, on va aller vite. Ah, attendez. Ah, mais je suis là où je suis. Ouais, je crois que je suis venu là. Ouais. Je pense qu'il faut aller par là. Bon. Enfin, moi je me perds toujours, je sais jamais où aller, c'est vraiment le bordel dans ma tête. Et maintenant je suis venu de là, c'était vraiment cette porte. Oh là 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 là. Comme je vous disais, je me perds tout le temps. Et elle est où cette porte? Elle est où? Là là, voilà. Faites que ça soit la guide. Les voleurs. Oups. Et voilà, t'es mort ma poule. Bon, c'était un peu pourri comme combat parce que lui il avait rien. Il se battait. Il se battait à main nue et moi avec une arme. C'est quand même de la triche, mais bon. On s'en fiche. Tant que c'est pour la bonne cause. C'est comme ça.
C'est quoi ça? Potion. Ah, je vais prendre une petite potion. J'adore les potions. Bon, c'est pas maintenant qu'on va fabriquer une potion, d'accord? C'est pas le moment. Là, on présente comment intégrer la guilde des voleurs. Même moi-même, je sais pas comment ça va finir, mais on verra bien. On va déjà se baisser. À chaque fois, je me fous en caméra, je me trompe toujours de joystick. C'est pas possible autrement. Alors. Je pense qu'il faut aller par là. Par là. Là. Ouh, c'est quoi ça? Une hache là-bas? C'est pas du tout bon ça. C'est qui va prendre l'hache qui va me tuer? Il y a du sang. Quelqu'un a découpé des têtes? Qui c'est? Un ogre? Sorcière? Ah, pour l'instant, rien du tout. Rien du tout. Bon, on avance. Dans notre tunnel. Ah, il y a une petite flèche là-bas. Je pense que c'est vers là-bas. Donc, il faut suivre la petite flèche. Cruche percée. Et nous voilà. Je pense qu'on est arrivé dans cette guilde des voleurs. Et on va être accueilli à bras ouverts. Ou on va être attaqué direct après la porte. J'en sais rien. Mais en tout cas, on va bien voir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut rien faire quoi. Faut aller par où? Par où il faut y aller? Alors. Ah voilà. Salut les potos. C'est différent. Nous avons tous entendu ça. Et voilà. Je pense que je suis dans la guilde. Arriver ici c'était facile. Mais oui c'était facile. Tant que je suis mort deux fois. Je crois que j'ai touché le gros lot. Bon, maintenant que je vous ai ouvert l'appétit avec notre petit coup d'éclat sur le marché, ça vous dirait de vous occuper de quelques mauvais payeurs pour moi? Mais oui, et voilà! Ils doivent une belle somme à notre organisation. Et voilà, on est entré dans la guilde. J'aimerais leur faire comprendre. Et on aura nos premières missions, donc. Ça me semble honnête. Oui, ça me semble honnête. Main de miel et Helga. Réussissez ce coup et je vous promets que vous aurez votre place dans notre organisation. Honnêtement, ce n'est pas la dette qui compte le plus ici. Ce qui est important, c'est de faire passer le message. Ils ne peuvent pas nous ignorer. Par contre, je vous mets en garde. Personne ne doit mourir. C'est mauvais pour les affaires. Ok. C'est comme si c'était fait. Bien. Si vous voulez des détails sur vos cibles, je suis là. Allez, au travail. Ok. Merci bien, voilà. Je serai donc, là et voilà. Donc, voilà. Voilà le repère. Débrouillez-vous sans moi. Non, tais-toi, je veux parler là. Voilà. Bienvenue dans le repère de la guilde des voleurs. Et voilà, et maintenant, je fais partie de la guilde des voleurs. Il me manque plus faire une mission, mais ça, je vous laisserai faire. Donc, c'est fini pour ce tuto. Et n'oubliez pas d'aller voir toutes mes vidéos sur ma page Facebook dédiée à Elder Scrolls, Elder Scrolls 5 Skyrim FR. Le lien est juste au-dessus de la vidéo. Allez-y, il y a tout plein d'astuces sur Skyrim et tout plein de vidéos, quoi. Belle vidéo commentée et tout. Et puis, n'oubliez pas d'aller visionner le reste des vidéos de ma chaîne. Toi, me parle pas, s'il te plaît, parce que là, je suis en train de parler à mes abonnés ou à mes suiveurs, je sais pas comment. Voilà, à tous les youtubeurs qui me suivent. Bref. Donc, n'oubliez pas d'aller visionner toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube Kedi Mendy. Je suis sûr qu'il y a une vidéo que vous n'avez pas vue, donc allez-y et profitez. Profitez de beaux commentaires fun et drôles. Des vidéos un petit peu plus sérieuses, mais bon. Que du bonheur. Et je fais pas seulement des vidéos sur Elder Scrolls Skyrim, je fais aussi également sur FIFA 12. Et des fois, des jeux bonus, des jeux démo que je m'amuse dessus. En faisant des duels commentaires et tout ça. Et voilà. Donc, sur ce... Je vous dis à la prochaine vidéo et comme à mon habitude, tchao bonne et gamez bien.